que vous écrivez, papa. Avant, vous n'écriviez jamais si longtemps. Cela ne vous fatigue pas la main? Si, parce que je ne suis pas écrivain. Mais je me suis juré d'écrire un livre, Jenny. Mais il y en a déjà tellement à la maison. Vous avez raison. Il y a beaucoup de livres au monde et tellement d'inutiles. Mais celui-là manquait pourtant. Le temps qui s'écoule amène l'oubli. Et avant que l'oubli ne se fasse, j'ai décidé qu'il m'incombait de relater certains faits touchant sa vie. La vie de qui, papa? La vie de Sir Thomas More, chevalier. La vie de votre grand-père, Jenny. Celui à qui on a coupé la tête? Oui, Jenny. Attendu que Sir Thomas More, chevalier, naguère lord chancelier d'Angleterre, n'est plus homme d'une singulière vertu, d'une conscience limpide et sans tache, plus pure et plus blanche que la blanche neige, disait Erasme son ami, moi, William Roper, quoique son très indigne beau-fils par mariage avec sa fille aînée, ne connaissant nul homme qui ait meilleure connaissance que lui de ses actes que moi-même, j'ai décidé de relater certains faits de sa vie que je pouvais relater, rapporter à mon souvenir. My Lord, Master Blunt, Master Shepherd et un autre juge de la chancellerie de Sa Majesté vous demandent de les recevoir. Un dimanche matin, au sortir de la messe. C'est bien qu'ils entrent. Quelle bonne nouvelle, messieurs, me vaut le plaisir de votre visite. Car je ne doute pas qu'elle soit bonne. C'est dimanche aujourd'hui et Dieu merci, nous ne jugeons point. My Lord Chancelier aime la plaisanterie. C'est pourtant de justice que nous venons lui parler. Un dimanche, compère? Mais c'est le jour de l'amour. Ce n'est pas le jour de la justice. N'est-ce point là la même chose, My Lord Chancelier? Je le voudrais. Je le voudrais. Mais hélas, pas toujours. Je vous écoute. Si nous sommes venus jusque chez vous un dimanche en ami, Master More, c'est pour enlever toute solennité précisément à notre démarche. Des compères, des amis, des voisins autour d'un pot de bière, voilà ce que nous voudrions être ce matin avec vous. Messieurs, je manque à tous mes devoirs. J'ai un excellent chéri que sa grâce, le duc de Norfolk, a eu la bonté de m'envoyer pour le jour de sa fête. Ah, voilà le pot de bière en mieux. Voyons, maintenant que nous sommes tous autour, ce que me voulaient mes compères. Master More, votre haut poste de Lord Chancelier, auquel le ciel et la bonté du roi vous ont placé, vous donne une prérogative redoutable. Examinant chaque plainte déposée devant nos cours de justice, vous devez y déposer votre griffe. Vous décidez seul, en votre conscience, si l'affaire mérite une assignation. C'est là que si tel n'est pas votre sentiment, il vous est loisible de rendre un arrêt de suspension. C'est la coutume, en effet. La loi est une grande chose terrifiante qui doit peser de tout son poids sur les hommes. Et il faut que le crime tremble sans cesse en sentant au-dessus de lui le fil acéré de son glaive. Or, il nous est apparu avec une certaine inquiétude, que depuis que vous occupiez votre poste éminent, Master More... C'est en ami et en compère que nous nous en ouvrons à vous, Master More, un dimanche
une chope à la main, qu'il y avait eu beaucoup d'arrêts de suspension. 13 en 2 ans ! Et la crainte nous est venue que la grandeur de la justice en souffre. Mes compères, c'est un merveilleux cadeau, n'est-ce pas, de sa grâce ? Je n'ai jamais vu meilleur chéri. Ça ne devrait pas être à moi de le dire, mais je me sentirais ingrat envers le duc si je ne rendais pas publiquement grâce de l'excellence de son vin. Mes compères, c'est en effet un honneur bien redoutable qu'on nous a donné à tous que ce poids terrifiant, c'est vous qui l'avez dit, monsieur, du glaive de la loi. La loi est en effet et doit être terrifiante. Je ne vous contredirai pas sur ce point. Mais entre elle et les hommes, il y a, Dieu merci, d'autres hommes, nous-mêmes, chargés d'en mesurer la rigueur. Et c'est ça précisément qu'on appelle la justice, qui n'est pas toujours tout à fait la loi. Chacun doit avoir peur de la loi. Mais le plus humble, le plus coupable, doit pouvoir regarder le visage de la justice avec confiance, comme celui de sa mère. Il y a des mères indulgentes, dont les fils, pas assez châtiés, deviennent des chenapans en grandissant. 13 arrêts de suspension en 2 ans. 13 coupables assignés par nous ne sont pas passés devant nos cours. Il y a de quoi révolter bien des consciences. Messieurs, j'avais prévu depuis longtemps votre visite et je demandais à mon greffier de me préparer les dossiers de ces 13 arrêts de suspension. Je les ai étudiés de nouveau un à un et moi aussi je me suis étonné. Nous les examinerons ensemble et il vous appartiendra de me rendre compte chacun, personnellement, des raisons pour lesquelles l'arrêt de suspension de ces 13 affaires n'est pas venu de vous, qui décidiez en premier ressort avant le mien. Et croyez que je saurai pour chaque affaire percer au fond de votre cœur quel sentiment vous a mené à la poursuite de l'assignation qui, à moi, ne me paraît pas justifiée. Et Dieu et le roi m'ont donné pour soulager les maux du peuple ce pouvoir suspensif. La coutume et la volonté du prince veulent qu'il ne dépende que de ma conscience. Vous mettrez 13 fois ma conscience en accusation, messieurs, elle se défendra devant vous. Et croyez-moi, je la connais, elle est scrupuleuse et fière. Si elle se trouve une seule fois en défaut, elle fera amende honorable. Sinon, comme Dieu et le roi ont voulu que ce soit elle qui décide, nous nous inclinerons, vous et moi, devant elle. Vous savez, je n'en fais pas toujours ce que je veux. Quand un homme a une ménagère pleine de rigueur et de vertu, il est bien rare, si arrogant qu'il soit dans le monde, qu'il ne file pas doux à la maison. Je vous souhaite un beau dimanche, compère. Benedicite. Benedic Domine nos, et tec tua dona, que de toi largitate sumus sum turi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Qu'est-ce que j'entends? Les enfants qui se disputent, ma bonne Alice. Ils sont repos des disputes des hommes que j'entends toute la semaine. Et le dimanche est le jour où ils n'ont pas parlé à table. Quand on les interroge, de mon temps, on n'aurait jamais osé, même le dimanche, devant son père, et à plus forte raison devant son grand-père. De mon temps non plus, ma bonne Alice, mais le monde évolue, et les pères lâchent un peu de terrain. Et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. De mon temps, on était enrubanné de respect dès le milieu de son âge, comme une momie dans sa famille. Il fallait attendre d'être seul avec 2 ou 3 compères au cabaret pour pouvoir oser seulement éternuer. Et encore, on ne savait plus. J'aime un peu du respect le dimanche. Voulez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes si bruyamment irrespectueux, Master Jack? Il a peur parce qu'il a tort. Voyez-moi ça, Cécilie. Je suis beaucoup plus savant que vous sur ce point, entre autres. Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait votre grand-père toute la journée au palais du roi? Peggy m'a dit que vous le suivez partout pendant sa couronne sur un... Coussin, au cas où il en aurait besoin. Il y a une part de ma charge qui correspond un peu à cela.
Vous ferez mes compliments à votre bonne Cécilie sur son imagination. Mais mon travail principal, 3 jours par semaine, c'est de juger les gens qui ont fait quelque chose de mal. Vous les faites pas ? Cécilie, on n'interroge pas son grand-père. Mais puisque c'est moi qui l'interroge, j'essaie de les faire pendre le moins possible, Cécilie. Mais pour revenir à votre réflexion sur votre frère tout à l'heure, j'ai pu remarquer, lorsqu'il paraissait devant moi, que celui qui avait mal agi était toujours celui qui avait le moins peur. Prouver qu'on n'a rien fait quand on n'a rien fait est extrêmement difficile. C'est bien dangereux, l'innocence. La cause est entendue. C'est Cécilie qui avait donné le premier coup de pied. Que désirait Master Blunt, Master Shepherd et Master Johnson pour venir ici un dimanche matin? On leur avait parlé du tonnet de série de sa grâce. Ils brûlaient d'envie de faire sa connaissance, tout simplement. Ah, Mrs. Blunt, que je rencontre quelquefois quand nous allons visiter nos pauvres... Ne pardon pas, justice avec Mrs. Blunt, Alice. Vous n'êtes juge ni l'une ni l'autre. Parlez donc de vos pauvres. Est-il vrai que c'est Master Gresham qui vous a donné cette belle coupe? Master Gresham en personne, ma chère, parce qu'il avait gagné son procès. Mais comme je ne peux accepter de coupe dorée de tous les gens qui ont gagné leur procès, j'ai dû lui donner à mon tour un continent, une de mienne qui valait 4 fois plus cher. Oh, Dieu préserve les cadeaux, je m'y ruinerai. Vous ne lui avez pas donné la coupe de vermeil aux têtes de lion, j'espère. Mais ma bonne Alice, mon honneur était en jeu. J'ai dû donner ce que j'avais de plus beau pour rattraper la bévue de ce lourdeau. Coupe au lion ! Voir ainsi dilapider son ménage pour des chimères. Mon honneur n'est pas une chimère, Alice. Mais vous pouviez très bien accepter, tout le monde accepte. D'autant plus que la cause était jugée, ou bien refusée, ou au moins donner la coupe de votre tante Anna. Accepter était grave, Alice, croyez-moi. On lui refusait aussi, c'était lui faire de la peine s'il était de bonne foi. Mais je préférerais 100 fois qu'il eût eu de la peine et avoir encore ma coupe au lion. Pas moi. Tout est toujours grave avec vous. C'est vrai, c'est mon défaut. Cause jugée, je suis coupable. Je me condamne à vous acheter une autre coupe de vermeil. Je voudrais bien ne pas juger, ni comparaître le dimanche, ni en famille. Vous êtes un homme difficile. Voilà la vérité, Thomas. Mrs. Blunt me disait hier encore que Master Blunt, son mari, lui avait dit... Oui, que je ne lui rendais pas la justice facile, mais heureusement que la justice n'est pas facile. On peut alléger tout de même la vie par un peu de souplesse. Vous n'avez guère d'indulgence. Oh, j'en ai beaucoup pour les autres. Je vous demande d'être un peu attentive et vous le remarquerez. Mais c'est mon droit de ne pas en avoir pour moi. La vie pourrait quand même être plus commode. Non, on ne va pas au ciel dans un lit de plumes. Ce n'est pas la voie. Le chemin que notre Seigneur a pris pour s'y rendre a été plein de douleurs et de tribulations. Et le serviteur ne doit pas être en meilleur cas que le maître. Ne disais pas cela. Je pense être aussi bonne chrétienne que vous. Ma bonne Alice, vous êtes meilleure chrétienne que moi. Et précisément parce que vous n'exigez pas trop. Je vous demande parfois si je ne mets pas un peu d'orgueil à être juste. Oh, les enfants, sortez, ce n'est pas une conversation pour vous. Vous finirez votre repas à la cuisine. Sortez, insolent! Vous l'aurez en entier. Mais il ferait bon voir que je pèse par orgueil et que ce soit mes enfants qui soient privés de leur part de tarte. Oh, vous n'êtes pas orgueilleux, père. Et vous êtes toujours juste. Je crois que tu es une fille trop indulgente, Margaret. Tu m'énerves mal. Vous ne dormez pas? Non. Je vous demande pardon au sujet de Mrs. Blunt, de mon indiscrétion, mais en effet, elle m'avait parlé. Elle m'avait dit les inquiétudes de Master Blunt concernant tous vos arrêts de suspension, vos jugements trop indulgents. Ce sont propos de femme, je sais. Je n'aurais pas dû les écouter ni tenter de vous en parler, c'est affaire de votre conscience, et vous jugez de tout mieux que moi. Vous êtes une bonne femme, Alice. Je suis parfois désagréable. Vous êtes parfois désagréable. Mais vous êtes une bonne femme. Oh,
Au début de notre mariage, j'avais peur de cette chouette et vous me serriez contre vous pour me rassurer. Vous êtes devenue une maîtresse-femme, Alice. Vous faites marcher toute cette maison. Et vous n'avez plus peur des chouettes. Je ne suis pas très intelligente et je deviens laide. En vieillissant, je ne dois pas vous apporter beaucoup. Vous êtes une très bonne femme, Alice, et je n'en ai jamais souhaité une autre. Margaret? Margaret est une très bonne fille. Margaret est plus proche de vous. Allons, votre âme a quelques aspérités, mais elle est claire comme celle d'une petite fille. Ne laissez pas un vilain sentiment s'y glisser. Vous êtes tourmenté en ce moment, inquiet, malheureux, et ce n'est pas à moi que vous vous confiez. Je ne me confie à personne. Je suis bête, mais je suis votre femme. Et il est malsain de garder un tourment pour soi seul. C'est l'affaire du mariage du roi qui vous inquiète. Oui. J'ai appris dernièrement qu'après le refus de notre Saint-Père d'annuler l'ancienne dispense qui lui a permis de s'unir à la vertueuse reine Catherine, le roi va députer une commission d'évêques et de juristes à l'archevêque de Canterbury pour régler, selon sa volonté, cette annulation avec le seul clergé d'Angleterre. Le roi ne vous en a pas touché un mot. Il vous tient en dehors de cette affaire. Elle ne vous concerne pas. Si le roi sépare l'église d'Angleterre du siège de Rome, cela nous concernera tous, et moi le premier. Dieu nous fasse la grâce, ma femme, que les choses que je prévois ne soient pas confirmées quelques jours par des serments. Parce que ce jour-là... Ce jour-là ? Ma conscience est comme vous, ma bonne Alice, une très bonne femme, mais un peu difficile à vivre. Et ce jour-là, il faudra ou que je me brouille avec elle, ou... Je suis le serviteur dévoué de votre majesté. Je vous aime beaucoup, Thomas. Et vous êtes mon ami. Il y a des serviteurs dévoués que je n'aime pas. Mais toi, je t'aime. C'est pourquoi à la fin de cette partie de Bach, j'ai décidé de pousser jusqu'à chez toi. Elle est très jolie, ta maison. Je la dois, comme tout ce que je possède ici-bas, aux bontés de votre majesté. Ne fais pas le modeste. Quand je t'ai rencontré, fait maître des requêtes, tu étais l'avocat le plus fameux de Londres et tu gagnais beaucoup d'argent. Ah, c'est le fameux chéri de Norfolk. Il m'a dit qu'il t'en avait donné. Cet animal a le meilleur chéri d'Angleterre. Le mien ne vaut pas celui-là. Il t'aime beaucoup, Norfolk. À moi, il n'en a pas donné. On ne fait pas de cadeaux au roi. Non, c'est triste. Personne ne fait de cadeaux au roi. Le roi est seul. Même au lit, mon cher. On fournique dans la crainte. Autrement dit, dans le désert. Tu ne peux pas savoir comme c'est déprimant. Je vais t'étonner, mais il est extrêmement rare pour un roi, avec le choix qu'on a, de trouver une fille qui vous considère tout bonnement comme un homme dans ces moments-là. Mais tu es un homme de Dieu et j'ai remarqué que tu avais horreur de ces histoires-là. Je m'arrête. Je t'aime bien tout de même. Assieds-toi donc. Pourquoi tu t'es pas fait curer, Thomas ? Parce que j'étais un homme et que je n'aurais pas été un bon prêtre. Il y a des accommodements. Regarde avec ton prédécesseur, cette cadale de cardinal Wolsey. Dieu ait son âme. Il avait les plus jolies filles de Londres. Oh, je n'aurais pas pu être un prêtre comme lui. Non, bien sûr, pas toi. Tu es mon ami. Et tu vois, l'honnêteté à la longue, ça finit par être un peu gênant. Pour les affaires du royaume, bien entendu, c'est précieux. Je sais que je peux toujours avoir confiance en toi. Mais parfois, dans l'amitié, on aimerait se sentir entre soi, d'homme à homme, avec toi. Il y a toujours entre nous ta conscience, assise en costume d'apparat. Comment va ta femme ?
Elle attend avec mes enfants le bon plaisir de votre majesté pour venir lui rendre grâce de l'honneur que votre majesté a fait à notre humble maison. Et tout ça s'apprête, se frisote, se sangle, nous les verrons tout à l'heure, toujours autant d'enfants. Grâce au ciel, majesté, et ils en font d'autres. Une vraie portée de lapin. Je n'aime pas les enfants. C'est peut-être pour ça que j'ai pas pu en faire à la reine. Et pourtant, il m'en faut. Qui me donnera un fils? Toute l'Angleterre prie pour que ce vœu de votre majesté se réalise. Depuis des années. Mais décidément, le ciel semble sourd. Tu me diras, je n'y mets pas beaucoup du mien. Chose décevante, le mariage. On épouse un ange et vous vous retrouvez avec une vieille tête d'ange en papillote à côté de vous sur l'oreiller. Le fils n'est toujours pas fait. Je ne vais quand même pas laisser le gâteau à mes cousins Stuart à ma mort. Ils en ont trop envie. Et si la reine était Brienne, Thomas? C'est ma conscience de roi qui s'adresse à la tienne. Les consciences de nos gras bourgeois n'ont que des petits ménages et des petites affaires à régenter, c'est facile. Moi, j'ai tout le royaume sur le dos. C'est lourd. Et moi aussi, j'ai des scrupules. J'ai déjà dit à votre majesté, lorsqu'elle avait fait l'honneur de m'interroger, ce que je pensais de ses scrupules au sujet de la dispense qui lui a permis de s'unir à la reine Catherine, quoiqu'elle fût de sa parenté. Mais enfin, elle avait été la femme de mon frère. J'étais jeune et j'avais besoin de cette alliance. À l'époque, j'ai pu obtenir ça du pape. Il m'accordait ce que je voulais. Mais maintenant, je te parle en toute confiance, Thomas. Je ne suis pas sûr de ne pas vivre dans le péché avec elle. Puisque sa sainteté vous a paternellement rassuré. Paternellement. Paternellement. Mais ne fais pas le niais, Thomas, avec moi. Tu as un assez fin politique. Sa sainteté m'a paternellement rassuré sur ce sujet parce que ses affaires l'obligent en ce moment à ménager l'empereur, dont ma femme est la tante. Voilà tout. Le Saint-Siège a aussi ses affaires terrestres. Le pape est un prince comme un autre. Quand je le soutenais trop de mes hommes et de mon argent sur le continent, c'est toi-même qui es venu me dire, je t'entends encore, que nos intérêts et ceux d'Europe pourraient s'opposer un jour sur cette terre et qu'il ne fallait pas trop l'exalter. J'ai en effet mis en garde votre majesté contre l'exaltation de l'autorité du pape en tant que prince terrestre. Pour ce qui est des choses de la religion, c'est à lui que Jésus a confié son église et c'est à lui qu'il a dit « Tu es Pierre » et sur cette... Oui, pierre... je sais, on me ressort toujours son mauvais jeu de mots. Parlons d'autre chose. Je n'aime pas me disputer avec mes amis. Et tu es mon ami. Il paraît que tu as un jardin merveilleux qui descend jusqu'à la Tamise. S'il plaît à votre majesté de le visiter. Il me plaît avant de nous embarquer. Je dois être à Londres pour le souper. Allons voir ton jardin. J'irai cueillir une rose pour Lady Anne Boleyn. Tu sais que c'est une charmante femme. Une vertueuse et belle personne qui est l'ornement de la cour de votre majesté. Pas d'hypocrisie. Tu n'es pas mon confesseur, tu es mon ami. C'est ma maîtresse et elle m'a donné cet hiver un joli gros garçon. Il est mort d'ailleurs. Les enfants sont morts comme des mouches cet hiver. Mais t'approuves que je peux en faire? Et si la reine était Brienne, Thomas, pourquoi ta conscience, qui se pose tellement de questions, ne se pose-t-elle pas celle-là? Je ne demande que le silence à votre majesté. Ce sera la dernière bonté que je solliciterai d'elle. Rien n'afflige plus mon cœur que de n'être pas capable, dans cette affaire, de trouver quoi que ce soit qui puisse servir et contenter mon souverain. Mais j'ai toujours à l'esprit les nobles paroles que votre majesté a bien voulu m'adresser lorsque je suis entré à son noble service. La plus vertueuse leçon que jamais prince enseigna à son serviteur. Votre majesté, en me confiant ma première charge auprès d'elle, m'a dit qu'elle voulait que j'eusse d'abord égard à Dieu, et après Dieu, à elle. Et si je ne faisais pas ce qu'elle m'a commandé alors, je craindrais qu'un jour elle me tînt pour un très mauvais serviteur. Relève-toi, Thomas, puisque tu ne peux pas me servir selon ta conscience, et que décidément, il nous faut toujours compter avec elle tous les deux, je me contenterai des services que tu peux me rendre par ailleurs.
Je demanderai à d'autres membres de mon conseil, dont la conscience en accommodera mieux, de m'aider dans ce que j'ai jugé que j'avais à faire. Relève-toi. Je te conserve ma royale faveur pour les loyaux services que tu m'as rendus, et je ne troublerai plus ta conscience avec cela, c'est promis. Sers-moi bien pour le reste et reste toi-même. Je t'estime. Au fond, je n'aime pas les lâches. Ma vie appartient à mon prince. Je le sais. J'espère n'avoir jamais à te la demander. Alors ? C'est une tête trop dure. Il ne nous servira jamais. Mais il est honnête et je lui garde mon estime. Au fond, tu adores qu'on te dise non. Mais c'est une tête trop dure ! Ça se coupe, les têtes. Assure-toi, mon chéri, je ne suis pas Salomé. Et j'aurais horreur, mais vraiment horreur, de voir la tête de ce pauvre mort sur un plat. Il a une femme très laide, lui aussi, n'est-ce pas? Oui. Et comme il n'a aucun moyen de s'en débarrasser n'étant pas roi, il ne conçoit pas qu'un autre puisse le faire. Cordieu, my lord chancelier, vous voilà jardinier. Vous déshonorez le roi et sa charge. Mais non, my lord, j'aime faire de petites choses. J'aime bêcher mon jardin et nettoyer moi-même quelques objets. Mon valet et moi, nous nous disputons mes chaussures. Thomas, le roi a mis un très grand poids sur vos épaules et ces petites choses ne vous sont plus permises. Je vieillis aussi, je me détache. Le bruit du monde et sa gloire me sont devenus une fatigue. J'ai peur, en vérité, de ne plus servir aussi bien le roi. Je crains depuis quelque temps déjà que la tâche ne soit au-dessus de mes forces. Votre grâce a bien voulu me dire à plusieurs reprises qu'elle avait de l'amitié pour moi. Je vous aime, Thomas. Comme jamais je n'ai aimé un homme de ma caste. Je vous aime parce que je vous admire, et croyez-moi, l'admiration est un sentiment insolite chez moi. Peut-être est-ce parce que vous êtes différent après tout, et que vous me surprenez. Ces paroles me sont douces, my lord, et votre amitié sera sans doute un des biens de cette terre dont je me souviendrai. J'y prendrai d'ailleurs le courage de vous présenter ma requête. J'attendais avec impatience votre visite pour le faire. Pensez-vous avoir l'opportunité ces jours-ci de parler de moi à Sa Majesté ? L'opportunité, Thomas ? Vous voyez le roi plus souvent que moi. J'aimerais mieux que ce soit votre grâce qui lui présente ma supplique. Je voudrais le prier humblement de me décharger de ma dignité de chancelier. Ah, oh, je vois assez vite pour une vieille bête de soldat. Et j'ai l'oreille fine. Ce n'est pas de votre fatigue qu'il s'agit. Vous allez faire une folie, Thomas. Cette folie est un acte de prudence qui m'évitera d'en faire une bien plus grande, my lord, dans un délai que je sens se rapprocher de plus en plus. Le décret n'est plus qu'une question de semaine et les serments suivront. Peut-être qu'un simple particulier, retiré au fond de sa maison de campagne dans le service exclusif de Dieu, aura plus de chances d'y échapper. Je vous entends. J'essaierai de parler au roi. Et peut-être que dans sa bonté, car il vous aime, Thomas, dans la mesure où il est capable d'aimer quelqu'un, peut-être que Sa Majesté feindra de croire que vous êtes en effet fatigué. Tout le monde prêtera le serment, je le sais.
même les êtres que j'estime le plus. Même moi, Thomas. Cordieu, je suis chrétien, mais le pape est le pape et l'Angleterre est mon pays. J'ai tout pesé, my lord. Et croyez que je n'ai pas le goût du martyr. Je suis bon juriste, je serai prudent jusqu'au billot. Mais ma tête est ainsi faite, c'est un défaut, je le sais, que je ne puis agir contre mon jugement. J'ai peur que vous ne le payiez très cher. C'est cher d'être libre. Mais le dernier des esclaves peut l'être s'il accepte de payer. Regardez comme mes roses sont belles, my lord. Sa Majesté a bien voulu en apporter un bouquet l'autre jour pour Lady Anne Boleyn. Je crains qu'à l'avenir, cette personne ne vous soit pas reconnaissante pour vos fleurs, Thomas. Et le roi est faible. Au lit. Tout le monde a des petits ennuis dans son ménage. Le mariage suivra le décret. D'un mois. Moi qui prends les choses avec plus de frivolité que vous, j'ai déjà commandé mon costume. Les tailleurs vont moins vite que les grands bouleversements politiques. Avez dit de vos fatigues. Nous avons bien voulu vous démettre de votre charge de grand chancelier de notre couronne. Nous tenons cependant à vous remercier publiquement pour les loyaux services que vous nous avez rendus à nous-mêmes et au royaume, en assumant de longues années cette fonction pour notre entière satisfaction, et en considération de ces bons services, à vous assurer que vous serez toujours que quelques requêtes que vous sera adressé à l'avenir, vous nous trouverez toujours prêts à les accueillir avec une toute particulière bienveillance. C'est une décision bien triste que j'ai dû prendre, Alice. Et j'ai dû la prendre seule. Je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. Oh ! Le jour du Seigneur, le péché de colère. Et vous êtes bonne chrétienne. Un si joli bouquet. Je me demande ce que font les mécréants quand ils sont contrariés. Ce n'est rien, mes enfants. Pour une fois, c'est une grande personne qui a fait une bêtise. Mais regardez bien votre grand-mère. Ne voyez-vous pas quelques défauts dans son ajustement? Son bonnet est cassé? Non. Mouchoir est froissé? Non. Son collier est cassé? Non. Sa robe est déchirée? Non. Regardez bien. Je crois que votre grand-mère a le nez un peu de travers. Mais qui a fait tomber le vase? C'est moi. Il va me rester très peu maintenant. Je ne suis plus avocat. Et déciderai-je de le redevenir? Je crains que personne n'ait plus confiance en moi pour sa défense. Je vais devenir quelqu'un de plutôt encombrant. Notre vie ensemble, mes enfants, était magnifique, tous ensemble. Mais je ne suis plus sûr, comme je le souhaiterais, de pouvoir encore subvenir à notre entretien à tous. J'ai fait mes comptes cette nuit. Il en a resté cette maison, ma chaîne d'or et un peu moins de 100 livres de rente. Si nous n'y arrivons pas, nous pourrons toujours aller mendier tous ensemble avec des sacs et des besaces, chantant le Salve Regina de porte en porte. Nous trouverons bien de bonnes âmes pour nous aider. Eh bien, Madame Alice,
Il ne faut pas faire ce nez-là. Le Seigneur a dit qu'il honorait avant tout ses pauvres. Nous allons être comblés d'honneur, voilà tout. Peu après la démission de Sir Thomas More comme chancelier, une commission députée à l'archevêque de Canterbury régla l'affaire du mariage du roi et de la reine Catherine selon la volonté du roi. Sa Majesté, prétendant n'avoir pas reçu justice des mains du pape, se sépara du siège de Rome et épousa Lady Anne Boleyn, dont on célébra ensuite le couronnement. Il y aurait bien quelques petites retouches, votre grâce. Mais tout a été si terriblement vite, on n'avait jamais vu ça. Ça ira, mon ami, ça ira. Mais un conseil, ne vous mêlez donc pas de politique. Mais je serai déshonoré par ce pli-là, votre grâce. Eh bien, s'il n'y a que toi de déshonoré aujourd'hui, ce ne sera pas grave. Eh bien, mon garçon, c'est bien. Je vous jure que je tiendrai la jambe raide pendant tout le couronnement pour que votre pli ne se voie pas. Ah, eh bien, my lord, qu'a-t-il répondu? Sera-t-il là? Il a accepté les 20 livres de notre porteur de messages pour s'acheter une nouvelle robe et nous pensions que ce geste signifiait qu'il acceptait également de figurer avec nous dans le cortège. Mais il n'est pas au rendez-vous. Et nous craignons maintenant qu'il ne vienne pas. Le cortège doit se former dans une heure à la tour. Il va être temps de s'y rendre. Cordieu, la tête de bois! On lui tend la main, il préfère se noyer. Un cortège n'est pas un serment. Attendez-moi ici, my lord. Je cours à Chessy et je le ramène. Qu'on fasse seller mon cheval! Votre grâce! Pas vous-même, pas à cheval, pas avec mon costume! Ça effacera le pli. Bien mort? Qu'attendez-vous pour vous préparer? Le cortège se forme dans moins d'une heure à la tour. Vous deviez y apparaître aux côtés des évêques. Vous vous conduisez vraiment comme un gamin. Jamais je ne serai assez reconnaissant à votre grâce qui me traite comme son propre fils. Mais je resterai à bêcher mon jardin et soigner mes rosiers. Cordieu mort, vous avez accepté les 20 livres des évêques pour vous acheter une robe. Par malice, ils m'en priaient instamment. Et je ne les tiens pas pour des mendiants. Ils ont tous de beaux et bons évêchés, alors que je n'ai plus rien. J'ai accepté l'une des deux choses qu'ils demandaient de moi, et je refusais l'autre. Voilà tout. Et j'avais justement besoin d'une nouvelle robe. Je la mettrai le dimanche pour honorer notre Seigneur. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire d'être dans le cortège? Et cela aurait été remarqué. My lord, n'allez-vous pas être en retard? Vous êtes fou, Thomas More. C'est le roi lui-même qui a envoyé secrètement les évêques. Il ne boira pas l'affront. Vous êtes un homme mort. Et cela tout, my lord. Alors en vérité, la seule différence qu'il y ait entre vous et moi, c'est que je mourrai aujourd'hui et que vous mourrez demain. Oh!
Du point de vue de l'État, cette affaire n'a évidemment aucune importance. Et je lui ai promis de ne plus le tourmenter avec ça. Sans enfreindre l'auguste promesse de votre majesté, il y a bien des façons de tourmenter un homme et de lui faire comprendre, à force de petits ennuis, qu'il serait temps pour lui de ne plus s'obstiner. On pourrait peut-être lui demander, par exemple, quelques éclaircissements sur son temps de chancellerie. Je sais, la gestion de Sir Thomas More a été irréprochable, mais enfin, je me suis permis de constituer un petit dossier, c'est mon métier, pour le soumettre au bon plaisir de votre majesté. Je vois là ces choses bénignes, mais enfin, qu'un certain Master Gresham, qui avait gagné son procès, lui avait fait don d'une fort belle coupe dorée. Qu'une certaine Mrs. Crocker, riche veuve, à qui il avait rendu un arrêt de justice contre Lord d'Arundel, lui avait offert une paire de gants contenant 40 livres en angelots pour le jour de sa fête. C'est impossible. Je connais bien mort. Vos mouchards se sont trompés. Mes mouchards ne se trompent jamais, Majesté. Je vois là une autre petite note où ils ajoutent, il est vrai, que Sir Thomas, après avoir accepté les gants de la dame par courtoisie, lui avait fait reprendre les 40 angelots. Qu'il avait donné en échange de la sienne une autre coupe à Master Gresham. J'y vois aussi qu'une certaine coupe, en or cette fois, apportée par la femme d'un certain Vaughan, acceptée par égard pour la dame et, après avoir bu dedans en sa présence une libation de vin, lui fut redonnée aussitôt librement, en cadeau de nouvel an pour son époux, cadeau qu'elle dut à son tour accepter par courtoisie. Je ne doute pas que Sir Thomas, convoqué, ne fournisse tous ces détails, nous disant comment se sont terminées ses affaires. Mais il aura été convoqué, soupçonné d'indélicatesse et de concussion. Cela se saura, et c'est l'ABC de mon métier, Majesté. Il me sera possible de faire beaucoup plus de publicité sur sa convocation et nos soupçons que sur la façon dont il les aura finalement écartés. Une impression demeurera dans le public qui peut être désagréable pour lui et l'incitera à la réflexion. Cette affaire ne me paraît pas très royale. D'accepter un refus pur et simple du serment non plus, Majesté. Je ne sais pas si Sa Majesté me suit bien. Mais les sujets de l'empereur en sa province d'Espagne ont un jeu avec un taureau, qu'on finit d'ailleurs par mettre à mort. Mais avant, afin d'exciter la bête et de l'amener à quelques réactions de fureur, on lui plante dans le garrot de petites pointes acérées qu'on appelle des banderilles. Des banderilles. Même de fausses banderilles, cela donne toujours à réfléchir. La main de Monseigneur est tendre et attentive. Mais je sens bien que son esprit est ailleurs. Que dis-tu, ma belle? Je ne suis plus ton amant? Je ne crois pas que ce soit si vite l'uniformité du mariage. Mais Monseigneur me trompe déjà en esprit. Et avec qui je serais curieux de l'apprendre? Avec Thomas More, Monseigneur. Quelle image saugrenue! Il est vrai que son obstination m'obsède. L'orgueil des justes. Que dis-tu? Je dis quelque chose de très profond sans en avoir l'air. Je dis l'orgueil des justes. Je peux le dire à Monseigneur. Tant qu'il aimera me baiser la tête, il ne la fera pas couper. Mais depuis que je suis toute petite, la Bible m'ennuie. Tout ce peuple juif qui est toujours juste, et toujours lui seul qui a toujours raison, et toujours Dieu à ses côtés, m'agace un peu et me fait peur. Je te dis ça à toi, Henri, parce que tu es mon amant. Mais ne le dis pas au roi. Tu sais que c'est le chef de l'Église maintenant.
Ça pourrait me faire des ennuis. Ne me fais pas rire avec ça. Je suis un homme profondément religieux. Le pape est une chose et Dieu en est une autre. Et je ne suis pas à l'aise dans le péché. Nous avons pourtant été heureux longtemps tous les deux dans le péché. Je pense que ce n'était qu'un péché véniel. L'adultère ? Enfin, tu es le chef de l'église. C'est toi qui en décideras dorénavant, mon chéri. C'est une tête trop dure. Cela fait des nuits que je dors mal à cause de lui. Demain, le serment de suprématie de mariage sera affiché partout dans Londres. Il sera convoqué, un des premiers devant la commission à Lambeth, à qui on doit déférer le serment. Dors, Henri. Demain, c'est lui qui ne dormira plus. La parfaite solitude auprès de sa femme endormie. Oh, mon doux Seigneur, voilà des nuits et des nuits que je vis d'avance tous les dangers qui me peuvent assaillir. Faites, Seigneur, que je ne songe jamais à changer d'avis, quand bien même devrait m'advenir ce qui fait ma crainte ultime. Préservez-moi aussi de l'orgueil qu'il y a à se croire le seul juste, qu'il est douloureux de mourir en pleine santé. Faites, Seigneur, que cette crainte misérable cesse de me tourmenter chaque nuit auprès de ma femme endormie et que l'esprit enfin ait le dessus. Sir Thomas, chevalier. Nous sommes là depuis une heure et c'est lui qu'on fait passer en premier. Il a eu une grande charge. Oui, mais il ne l'a plus. Vous avez remarqué qu'il est le seul laïc convoqué ? L'affiche portait que le serment ne serait demandé qu'aux seuls prêtres de Londres et de Westminster. Sir Thomas More, nous vous avons convoqué par devant nous, commissaire, par ordre du roi, pour vous demander serment sur le statut de suprématie et de mariage, ainsi qu'un bill du Parlement nous autorise à l'exiger de tous les prêtres des diocèses de Londres et de Westminster. Je ne suis pas prêtre. Le bon plaisir du roi a voulu que vous fussiez assigné tout de même aujourd'hui avec les prêtres de ce diocèse. Le serment des laïcs suivra d'ailleurs sous peu. Puis-je prendre connaissance de l'acte du serment ? Puis-je, sans abuser de la courtoisie de votre seigneurie, prendre également connaissance de l'acte de succession ? Mon propos, my lord, n'est point d'imputer aucune faute à cet acte, ni à quiconque l'a établi, non plus qu'au texte du serment, ou à quiconque se sent susceptible de le prêter, ni de condamner la conscience de qui que ce soit qui est chose sacrée. Mais pour ce qui est de moi, en toute bonne foi, bien que je ne refuse pas de prêter le serment pour la succession, ma conscience me refuse de prêter l'autre serment sans hasarder mon âme à la damnation perpétuelle. Sir Thomas, vous nous voyez tous ici, Marie et peinée par votre refus. Vous êtes le premier à l'opposer à ce texte que le bon plaisir de sa majesté a établi et que le parlement de ce royaume a promulgué par un bill. Vous concevez, je pense, quel soupçon et quelle grande indignation vous allez éveiller dans l'esprit de sa majesté par ce refus public. Voici le rôle, Sir Thomas. Vous pouvez lire le nom des premiers lords de ce royaume et des honorables membres des communes qui ont cru pouvoir le signer. Je vous répète en vérité, my lord, que si je décline personnellement ce serment, je ne me sens en conscience aucun droit de blâmer, ni même de juger, ceux qui ont cru devoir le prêter. Bien, Sir Thomas, voulez-vous redescendre au jardin ? Nous vous ferons rappeler plus tard.
mon ami, à ma nouvelle cure, une surprise extraordinaire m'attendait. Une petite vigne qui nous fournit un vin de messe, un petit blanc sec très rare sous nos climats. Et vos ouailles ? Ordinaire, mais ce petit vin blanc, alors là, je vous le ferai goûter. Hein. Alors, Blackfer, vous êtes reçu ? C'est une formalité toute simple. On s'en faisait tout un monde. À mon tour. Ça alors, comme il nous expédie, vous revoilà déjà, Master le curé de Croydon. Mon ami, tout s'est passé le mieux du monde. Et My Lord a eu la bonté de nous dire que nous allions bientôt tous passer à son buffet pour nous y restaurer un peu. On n'est pas plus galant que sa seigneurie d'avoir eu l'idée d'un tel buffet. Une vraie fête entre bons Anglais. Ne trouvez-vous pas ? Bah si, bien sûr, tout cela est bien. Mais pourquoi faut-il que quelques sinistres figures gâchent toujours les meilleures réunions ? On l'expédie à la tour. Docteur Wilson ? Master More, s'il vous plaît. Bon. Ben, maintenant, allons boire. Tout le monde prête le serment, Sir Thomas. Joyeusement. Allez-vous seul ternir, vous qui lui devez tant, le bon plaisir de sa majesté. Pourquoi vous réfugier alors dans le silence ? Pourquoi ne pas nous déclarer, puisque vous vous obstinez à refuser le serment ? Quel est le point particulier qui blesse votre conscience et cause votre refus ? C'est de l'entêtement pur et simple, si vous ne donnez pas de motif. Vous nous avez dit, Sir Thomas, que vous ne vous reconnaissiez pas le droit de condamner la conscience de ceux qui prêtent le serment. D'une part, vous ne tenez donc pas pour chose sûre et certaine, mais bien pour chose incertaine et douteuse, sinon vous les condamneriez, que ce serment puisse être prêté. D'autre part, il est une chose que vous tenez pour certaine et indubitable, c'est que vous devez obéir à notre souverain, seigneur, le roi. Cela, vous nous l'avez dit aussi. Par conséquent, vous devez laisser là le doute de votre conscience qui balance, refusant le serment, sans être assez assuré pour condamner les autres, et prendre une voie sûre où là vous ne doutez pas, vous ne balancez pas, qui est l'obéissance que vous devez à votre prince. Cet argument, my lord, dans votre digne et noble bouche me touche, et j'y discerne un subtil désir de m'aider, dont je remercie votre seigneurie. Mais ma conscience, qui est, croyez-le, scrupuleuse, et qui a tout pesé depuis longtemps dans son secret, me dit que la vérité n'est point là où enfin de la croire, et que c'est peut-être un cas, en effet, où elle me contraint à ne point obéir à mon prince s'il exige l'impossible de moi. Ce sont là de graves paroles, Master More. Oui, Master le secrétaire, ce sont des paroles graves, je le sais. Ne pensez-vous pas, Sir Thomas, que vous pouvez avoir lieu de craindre d'être dans l'erreur lorsque vous vous voyez seul de votre opinion contre le grand conseil du royaume, ses augustes prélats, son parlement, ses universités? La solitude est toujours mauvaise. Je crois avoir avec moi, my lord, un autre grand conseil, plus grand encore que le conseil d'un seul royaume. Celui du Conseil général de toute la chrétienté, et l'immense nombre de ceux qui ont pensé comme moi, quelquefois au péril de leur vie, est avec moi, je le sais. En vérité, je remercie votre seigneurie d'avoir peur pour moi de la solitude, mais je ne me sens pas seul. Master le secrétaire, puisque c'est vous qui devez rendre compte au roi des travaux de notre commission, je vous prie de consigner dans votre procès-verbal que Sir Thomas More, chevalier, a refusé de prêter le serment. Notez toutefois qu'il ne se refuse pas de prêter le serment pour la succession et que si l'autre serment était rédigé de telle manière qu'il fût en accord avec sa conscience, il ne le refuserait pas.
Je vous remercie, Mylord, de ces nuances qui traduisent exactement ma pensée. Je déclare toutefois, touchant le serment tout entier, que je n'ai jamais conseillé à quiconque de le refuser, mais que je laisse chacun à sa conscience, et qu'il me paraît, en toute bonne foi, que ce serait raison que chacun me laissât à la mienne. Précaution de juriste. Master le secrétaire, notez aussi, je vous prie, dans votre procès-verbal, cette déclaration de Sir Thomas. Sir Thomas More, l'ordre du prince pour votre refus de déférer au serment consigné au procès-verbal est que vous soyez transféré à la tour. Master More, j'ai reçu de vous nombre de bienfaits et de marques d'amitié. Et je devrais vous traiter comme mon hôte. Mais j'ai reçu des ordres quant à la cellule à vous affecter et le régime à vous appliquer. J'espère que vous voudrez bien me pardonner la mauvaise chair que je vous ferai porter. Master le lieutenant, je crois que vous êtes mon ami, comme vous le dites, et que vous me traiterez toujours du mieux que vous pourrez. Dites-vous que je serai toujours content du traitement que je recevrai de vous. Et si jamais je n'étais pas content un jour, si je protestais et vous faisais des ennuis, eh bien, Master le lieutenant, jetez-moi à la porte. Thomas More devait rester dans cette cellule 17 mois. D'avril 1534, date de sa comparution devant la commission de Lambeth, jusqu'au 7 août 1535, date de son exécution. Les premiers temps, il put écrire quelques lettres, lire la Bible qui soutenait son courage. Puis un jour, on décida de le mettre au secret. On lui prit son encre, ses plumes, et c'est avec un morceau de charbon qu'il écrivit encore au docteur Wilson, qui pourrissait dans une cellule voisine de la sienne, à son plus cher ami, Antoine Bonvisy, et à sa fille Margaret, ses lettres, toutes lumineuses de la clarté tranquille de son âme, qui allait rendre son souvenir à jamais vivant au cœur des hommes. Ma bonne et chère fille, grâce soit rendue à notre Seigneur. Je suis en bonne santé de corps et d'esprit, et toute chose bien pesée, cette maison où je suis n'est pas plus loin du ciel que la mienne. Je sais qu'au regard du monde, mon refus de prêter le serment passe pour un crime odieux, et que ma crainte religieuse envers Dieu est taxée d'obstination envers mon prince. Mais les lords du conseil, devant qui j'ai refusé de prêter serment, auraient bien pu discerner la tristesse de mon cœur. Ce m'est surtout une douleur mortelle, bien plus mortelle que celle de ma propre mort, que de voir mon fils, votre mari, vous-même, ma bonne fille, ma bonne épouse et mes autres bons enfants et innocents amis, en grande défaveur et par là en grand danger de mal à cause de moi. Thank you.
chère Margaret, c'est le moment d'adresser votre requête à Lord Ossie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut pouvoir, Margaret. Il faut être belle. Il faut sourire. Il faut plaire. Et vous obtiendrez peut-être de le voir. Les hommes sont durs entre eux, mais ils sont légers. Et le sourire d'une femme entr'ouvre quelquefois la porte des prisons. Une fête charmante, charmante, Lady Allington. La saison est agréable cette année. Je crois bien ma foi que nous dansons tous les soirs. Londres est très gaie en ce moment. My Lord, vous souvenez-vous de Margaret, la fille de Sir Thomas More? Cette jeune femme, si je me souviens d'elle, je pense bien, je l'ai toujours trouvée adorable. Elle souhaiterait vous parler en faveur de son père, mais elle n'ose pas vous aborder. Pourriez-vous aller à sa rencontre? Mais certainement, je serais ravie d'aller lui parler. Vous savez que son père a toujours été mon ami. Je vais la prier pour la prochaine danse. Mais ma chère jeune dame, ce n'est pas moi qu'il faut convaincre d'être bon pour lui. C'est lui-même. Vous l'apprendrai-je, mon enfant. Sa majesté est aussi triste que lui. Dans sa grande bonté, il n'est rien qu'elle n'imagine pour avoir enfin la joie de faire rentrer Sir Thomas More en grâce et lui pardonner. Mais pourquoi est-il aussi obstiné? C'est vilain. Un mot. On lui demande un mot. Il n'est pas de faveur dans ce royaume à laquelle il ne puisse prétendre. Avouez que c'est absurde. Mais pourquoi se singulariser? Il faut être de bonne compagnie. Le voir ne serait peut-être pas impossible. J'en parlerai à Sa Majesté. Surtout si une belle et intelligente jeune femme, et qu'il aime tendrement, prenait sur elle de lui faire comprendre ce qu'il y a d'irrationnel dans son refus. Mais il ne faudrait pas que ce fût une jeune femme muette. J'essaierai, my lord. Eh bien, j'en parlerai à Sa Majesté, qui s'en réjouira comme moi, j'en suis sûr. Comme on est rose, comme on est ému, comme on aime bien son père. Mais nous l'aimons tous beaucoup, vous savez, mon enfant. Bon, ma foi, je ne suis pas aussi savant que lui, et j'en suis bien content. Vous voyez bien que trop de science brouille la tête. Mais pourtant, je sais quelques fables d'Ésope. Mes souvenirs de petit Grimaud, et j'aimerais vous en conter une, ma chère gentille petite dame, qui vous donnera peut-être à rêver. Il y avait une fois un pays où il n'y avait guère que des fous et quelques hommes sages. Ceux-ci surent dans leur sagesse qu'il allait tomber une grande pluie qui allait rendre tout le monde tout à fait fou. Pour s'en préserver, ils se firent des cavernes sous la terre et s'y enfermèrent jusqu'à ce que la pluie mortelle eût cessé. Puis ils sortirent, préservés, pensant pouvoir gouverner les autres et en faire ce qu'ils voudraient. Mais les fous, rendus fous furieux par la pluie, ne voulurent point les entendre, trouvèrent que c'était eux qui étaient les fous et les massacrèrent très probablement. Et les sages regrettèrent amèrement de ne pas être restés sous la pluie comme les autres. Il faut être fou avec les fous, mon enfant. Allons, allons. Nous allons compter sur cette jolie main-là pour délivrer notre trop scrupuleux sage de sa tour. Oui. Ils m'ont permis. Margaret. Je n'ai
jamais autant marché qu'entre ces quatre murs. Je vais chaque jour au bout du monde et je reviens. Comment va toute la maison, les enfants ? Bien, mon père. Un peu triste. Cécilie ne fait plus de bêtises. Elle ne se bat plus avec son frère. Alors bon, le roi aura donc réussi quelque chose en me faisant mettre en prison. Tu sens bon la maison. Pourquoi Dieu qui nous a fait seuls, seuls avec nous-mêmes, à répondre toujours seuls de nous, seuls enfin pour le voyage, a-t-il voulu que tant de petites choses nous attachent ? Je manque de cris d'enfant ici. Le concierge de la porte sud a une petite fille. En montant sur une chaise, j'arrive quelquefois à l'apercevoir dans la cour. Mais c'est une petite prisonnière déjà. Elle est sage et ne crie jamais. Ma mère vous embrasse fort. Elle espère qu'un jour on lui permettra de vous voir. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle tempête. Elle s'étonne que vous qui passiez jusqu'ici pour sage, vous préfériez la compagnie des souris et des rats à la sienne et à celle de vos enfants. Et les quatre murs d'une prison étroite et froide, à votre belle maison de Chelsea, avec votre bibliothèque, votre galerie, votre jardin, votre verger et toutes les commodités, répète-t-elle Rogue, tout en faisant le ménage. Je crois qu'elle vous en veut un peu. Ces reproches me manquent. Je peux faire seul ici une quantité de petites bêtises impunément. Je mange trop vite, je prends froid quand je veux. Je ronfle tout mon sou la nuit sans que Damalis me pousse du pied et me dise aigrement « Vous ronflez ». La liberté, en fin de compte, est lourde à l'homme. La liberté, père ? Oui. Quand cette porte s'est refermée sur moi, je me suis senti libre pour la première fois. C'est aussi une chose que le roi ne sait pas. Pauvre roi. Ils sont comme des souris qui se figureraient gouverner d'autres souris dans une grange. Nous sommes tous dans une prison. Nous sommes tous condamnés à mort. Comment as-tu eu l'autorisation de me voir ? Lord Osley. Ah, c'est un homme charmant. Il passe en dansant au milieu des choses. Il n'est pas mauvais, remarque bien. Mais une fois qu'il a passé, il ne reste rien qu'une trace de parfum dans l'air. Il n'a eu que des sentiments chrétiens pour vous, père. Il y a un christianisme aimable. Je suis confus que le mien soit si désagréable pour tous. Vous n'avez pas trop souffert. Ton mari, Rupert, n'a pas essuyé trop de brimades et mes fils dans leur charge. Nous ne souffrons qu'un peu de ce que vous souffrez. En vérité, je ne souffre pas beaucoup, Margaret. Et n'eût été ma femme et vous, mes enfants, que je tiens pour ma charge principale, je n'eusse point manqué de m'enfermer depuis longtemps dans une chambre aussi étroite. Je suis plus près de Dieu ici que dans ma propre maison. Mais père, Nous souffrons de vous savoir ici. Père, Lady Allington a été très bonne pour moi. C'est elle qui m'a fait rencontrer Lord Osley. Elle s'est beaucoup employée à toucher beaucoup d'autres personnes pour vous. Mais à mesure que le temps passe, que vous persistez dans votre refus, je sens que la bonne volonté de nos amis se lasse et s'amenuise. Il y a eu quantité de bals très brillants sur Londres depuis des petits scandales de cour et bien d'autres événements. Mais le serment, maintenant, c'est passé de mode. Et quand je vais voir nos amis, leur visage se ferme. Je leur rappelle une vieille histoire dont ils ne sont pas très fiers et qu'ils voudraient tous avoir oubliée. Je n'entends rien des bruits du monde ici, Margaret. Mais j'ai très bien pu imaginer tout cela. J'ai rencontré Master Harry Patterson l'autre jour. C'était un homme qui vous aimait bien. Et il m'a demandé naturellement « Et où est votre père ?» Quand je lui ai dit « toujours à la tour », il a sursauté sincèrement, je crois. Et s'est écrié « Comment ? Mais qu'est-ce qui l'empêche donc de prêter le serment ? Je l'ai bien prêté, moi. » C'est là un bon mot de comédie. Un bon mot ingénu comme les auteurs de pièces n'en trouvent que rarement. « Je l'ai bien prêté, moi. » Vous avez dû sourire, Margaret. Je n'ai pas pu sourire. Et en vérité, j'ai envie de vous dire, à la suite de Master Patterson et tant d'autres hommes doctes et sages, pourquoi refusez-vous de prêter le serment ? Je l'ai prêté moi-même. Il y a longtemps ? Le mois dernier. Il convoque une à une toutes les familles. Nous avons été dans les premiers. Revenez-nous, père. Rendez-nous notre bonheur caché au fond de notre maison solitaire. Tous ensemble, nous oublierons tout.
Nous tous ensemble, nous servirons mieux Dieu. Son bonheur n'est pas sur la terre. Non, mais pour un temps, nous y sommes. Et à l'heure de notre mort, nous serons interrogés sur ce temps. Il est écrit dans l'Évangile que nous serons interrogés sur l'amour. Mais nous n'étions qu'amour. Depuis que vous êtes enfermés et en danger, et en plus grand danger que vous ne semblez le penser, le péché de désespoir me guette. Il y a comme une mauvaise révolte en moi. Ah, Mrs. Eve! Mrs. Eve, voilà que vous venez me tenter avec le vieil argument de notre vieille mère à tous. Mais nous vous supplions tous, père! Et à nous aussi, vous vous devez. Si je pouvais. Oh, s'il m'était possible de contenter le roi sans que Dieu s'en trouve offensé. Mais c'est toujours la même histoire. Il y a Dieu et il y a le roi. Il a été dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais quand César veut prendre autre chose, il faut qu'il y en ait un. Un seul suffit presque toujours qu'il lui dise non. Je te remercie de ta tendresse, Marguerite. Dans une vie un peu rude auprès de ta mère, elle aura été cette douce lumière de la femme, ce miel dont l'homme a besoin. Je ne suis que fragilité, Margaret, et tu ne sais peut-être pas comme ma faiblesse, comme ma lutte est dure contre la faiblesse naturelle de mon cœur. Prends garde que ton amour, en voulant me sauver, ne m'affaiblisse. Il vaut sans doute mieux que tu ne reviennes pas me voir. Je sens que dans le secret, les choses vont bien plus vite que vous ne le pensez. Craignez lorsque vous le réaliserez et que vous tenterez d'échapper, alors point qu'il ne soit trop tard. Trop tard, Margaret? Mais je supplie notre Seigneur que si jamais je change de la sorte, ce soit en effet trop tard. Car je sais bien que ce changement-là ne pourrait rien apporter de bon à mon âme, ne venant que de ma crainte de la mort. Père. Mrs. Eve, regarde-moi en face. Maintenant que tu as fait gentiment ce que tu devais, Dieu, dans son amour, a voulu que pour un père, un jour ou l'autre, a voulu que pour son enfant, un jour ou l'autre, un père ne soit qu'une image. Et je mets un peu de coquetterie, notre Seigneur me la pardonne, à ce que mon enfant préféré garde de son fragile père une image digne de lui. Vous ne dormez pas, monseigneur? Je peux tout. Je peux tout. Et je ne peux rien. Rien que de marcher en rond dans ma chambre. Comme lui, il doit marcher en rond dans sa cellule là-bas. Je me suis mis en prison même temps que lui. C'est absurde, Henri. Mais je le sais que c'est absurde! Ce n'est pas de me le dire qui me rendra ma paix. C'était la volonté la plus droite. L'intelligence la plus lumineuse. C'était mon homme. Quand je ne comprenais pas quelque chose, lui, il le comprenait. J'étais jeune quand je l'ai choisi. Il m'a évité je ne sais combien de faux pas. Cranwell aussi est intelligent. Mais je ne sais jamais qu'il est en train de trahir, lui non plus. Son génie est un tel tissu de finasserie qu'il s'y embrouille. Avec mort, j'allais toujours droit et j'étais sûr que c'était pour moi qu'il travaillait. Cranwell est si intelligent qu'il a dû s'apercevoir qu'en fin de compte, l'honnêteté rapportait plus. Certains me disent qu'il touche de l'argent du roi de France. D'autres du pape. Moi, j'ai la conviction que c'est de l'empereur. Il touche sans doute des trois, mon chéri. Fais-lui couper la tête. Ce n'est pas comme pour mort, c'est une toute petite tête à couper. Et si je commence aujourd'hui, il y aura trop de têtes à couper autour de moi. Et je suis déjà seule. Fais revenir mort, alors. Et ne lui parle plus du serment. D'ailleurs, tu le lui avais promis. Toute l'Europe attend la fin de cette histoire. Je perdrai la face et je ne le peux pas. Je suis roi. Et j'ai ma besogne de roi que des hommes. Sa charme à rendre puante. Quelquefois, à Westminster, pendant la messe, je regarde l'enfant de cœur. Je voudrais être cet enfant de cœur. Il deviendra un homme, rassure-toi. Et il se perdra dans les mêmes contradictions que toi en miniature.
Viens te coucher. Henri, j'ai froid. Il ne me l'a jamais dit, il ne me dit rien. Mais il doit penser que c'est toi mon péché. Mon union avec Catherine était devenue une impossibilité politique. Laide ou belle, elle était brègne, et le pape le savait. Et tout le monde sait combien il a touché de l'empereur pour me dire non. Alors c'est ça qu'il fallait que je respecte. Ce vieil intrigant sur son tas d'or. Et c'est pour ça que Mort doit mourir. Non, Henri. Mort mourra pour lui-même. Un seul homme. Il suffit d'un seul homme. Et même si je lui avais fait son procès et coupé la tête, il m'aura éternellement dit non. Mais qu'est-ce que c'est à la fin que cette puissance sans armes qui se dresse seule contre tout? L'orgueil des justes. Il n'y a pas de place pour deux orgueils en Angleterre. Et Dieu a voulu que ce soit moi le roi. Il te plaît, ton péché? Il valait la tête de mort. N'ayez pas peur, Sir Thomas. Ce n'est pas le diable, ce n'est que moi. Je dois venir tout à l'heure au lever du jour pour une formalité administrative. Mais il n'est qu'un peu plus de 4 heures et le lever officiel du soleil est à 4h57, très exactement. Et je suis venu un peu avant l'heure légale pour bavarder, en privé, avec vous. Vous n'avez pas entendu le guichetier m'ouvrir et je vous regardais dormir comme un enfant, avec curiosité. Depuis quelques nuits, je dors bien, oui. Heureux sommeil des consciences tranquilles. Je vous admire beaucoup, Sir Thomas. Je sais que vous me tenez pour une canaille et un serviteur douteux de mon prince. Mais il y a au cœur des canailles, je ne vous l'apprends pas, vous qui savez tout du cœur des hommes. Une curieuse nostalgie de l'honnêteté. J'étais un petit garçon, moi aussi, Sir Thomas. Rêvant sur des livres d'images. Et puis, j'ai compris que la vie n'était pas une histoire en images et qu'il fallait refouler cette nostalgie-là pour survivre. Qu'est-ce que vous appelez survivre ? Le ciel est loin. Pensez-vous, sincèrement, monsieur, me convaincre avec des arguments de cet ordre ? Vous me décevez. Je vous serai reconnaissant de revenir avec vos hommes à l'heure où le service de Sa Majesté vous appelle ici. Oh, il ne s'agit de rien de grave, rassurez-vous. La saisie de vos livres, de votre encre et de vos papiers. À partir de ce matin, 4h57, vous êtes mis au secret. Mais il n'est pas encore l'heure légale et j'ai encore le droit de vous parler. Je serai sans doute le dernier à avoir eu cet avantage. Mais à mon tour de vous questionner, pensez-vous sincèrement, Sir Thomas, que je suis aussi bête que vous avez l'air de le soupçonner en ce moment ? Non. Merci. Je suis très intelligent, moi aussi, Sir Thomas. D'habitude, on n'ose pas le dire. Mais je suis assez intelligent pour pouvoir en outre le dire. Mais je suis un homme vénal. Je touche de l'argent de l'empereur, du pape, du roi de France, pour m'offrir des plaisirs que je ne suis même pas sûr de goûter tellement, ni bien longtemps. Cette intelligence dont je suis si fier brûle dans un corps déjà demi pourri. Inutile de vous dire que je nierais ces propos extravagants si vous arrivez de vous en souvenir. Mais je suis effectivement une canaille. Et pourtant, ce n'est qu'une question d'esthétique. Je trouve que votre mort, tranquillement acceptée par vous,
C'est trop bête, un vrai gâchis. Je vous remercie de ce souci d'esthétique qui me touche à sa façon. Si cette canaille est venue vous voir seule à seule ce matin, c'est qu'elle s'est prise à rêver à l'aventure prodigieuse que ce serait si un honnête homme, et pour de hautes vues, faisait ce que je fais, moi, une canaille, pour des motifs déplorablement bas, je veux dire regarder la réalité en face et la pétrir tranquillement. Beaucoup d'esprits qui se croyaient supérieurs l'ont tenté, mais c'est une illusion de puissance. La réalité se pétrifie soudain et l'apprenti sorcier y reste les mains prises. Voilà, ceux qui s'y sont laissés prendre les mains étaient peut-être des maladroits. Ou bien ils ont fait le seul péché humain vraiment irrémissible, celui de se prendre au sérieux. Mais un esprit vraiment agile. Écoutez, Mort, c'est vraiment trop bête de ne pas vouloir y voir clair. Le roi va être le chef spirituel de l'Église d'Angleterre. Et c'est grotesque, je suis de votre avis, moi à demi mécréant. Mais quelle importance cela a-t-il au fond? Vous pensez bien que dans quelques lustres ou quelques siècles, cette église bâtarde mettra toujours autant de rigueur à défendre la morale du troupeau. Il fera beau voir lui parler de divorce, à elle qui est née d'un divorce, je vous le prédis. Et l'on continuera à brûler joyeusement de l'hérétique à Londres comme ailleurs. Seulement, cet admirable instrument pour faire prévaloir la loi de Dieu selon votre point de vue, ou mener commodément les hommes selon le mien, c'est vous qui l'aurez en main. Pesez bien cela. Cela mérite de s'y arrêter. Si vous continuez à dire non au roi, Mort, votre tête tombe et l'on vous mijote en ce moment. Je le sais, j'y travaille. Un beau petit procès à haute trahison. Et le roi reste avec cet admirable instrument dont il fait un mauvais, ou pire, un médiocre usage, car il n'est pas très intelligent, vous le savez, comme moi. Si vous prêtez le serment, au contraire, en sachant parfaitement ce qu'il vaut, on ne vous demande pas l'impossible. Vous pourrez continuer à en sourire dans le privé, comme tant d'autres, et que vous reprenez votre place. Voyez que je suis désintéressé par esthétique. Vous me chasserez sans doute pour malhonnêteté. C'est vous, Thomas More, homme de Dieu, qui tiendrez l'instrument dans vos mains et pourrez vous en servir pour le service de Dieu, puisque c'est ça qui vous amuse, vous. Le diable! Je m'étais toujours demandé quelle figure il pourrait prendre avec moi. Celle d'un impeccable raisonnement. Je lui fais mes compliments. Je nierai, bien entendu, tout ce que je viens de vous dire, si votre conscience faisait un devoir de le révéler. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander si vous m'avez bien suivi. Fort bien, Master le secrétaire, et même avec une sorte de curiosité sympathique. C'est vrai, l'intelligence est une chose fascinante, mais c'est laid. Pensez-vous que j'ai la possibilité de goûter encore un peu de repos avant votre visite officielle? Non. Je le regrette. C'est trop tard. Nous allons procéder à la saisie de vos livres et de vos papiers. Master Rich, vous pouvez procéder à la saisie des livres et des papiers du prisonnier sur ordre du roi. Je vous salue, Sir Thomas More. Vous vous souvenez de moi, Sir Thomas? Certainement, Master Rich. Vous avez souvent été bon pour moi à Chelsea, malgré quelques peccadilles de jeune homme qui avait eu le malheur de vous déplaire et que je ne regretterai jamais assez. Et bon, surtout, pour ma pauvre malheureuse mère. Car je suis d'origine modeste, Master More. Je ne songe pas à m'en cacher. Nous sommes tous d'origine modeste. Plus ou moins. Plus ou moins. Moi, ma mère était une pauvre veuve, et sans la générosité de quelques saints hommes, dont vous êtes, Master More, je n'aurais jamais pu poursuivre les études qui m'ont permis d'atteindre le poste que j'occupe à présent, grâce au Seigneur. Je vous félicite de cette rapide ascension, Master Rich. J'ai toujours bien servi mes patrons, voilà tout.
et j'ai toujours été scrupuleusement reconnaissant envers ceux qui me tendaient la main. C'est un sentiment qui vous honore. Il y a des besognes qui sont douloureuses. Ma mère me parlait toujours avec reconnaissance de vos bienfaits, à vous et à Mrs. Mo. Et elle aurait été extrêmement fière de voir la position à laquelle je me suis élevée. Secrétaire de Master le secrétaire. Et j'aurai peut-être moi-même bientôt un secrétaire. Pour un homme parti de si bas. Quel beau pays que l'Angleterre où de telles choses sont possibles. Et ma mère, au ciel où elle est, ne manque pas de prier pour Sa Majesté dont la bonté a permis mon ascension. Et pour tous ceux qui ont aidé son pauvre fils, vous le premier, Master Mo. Je l'en remercie. Ma mère aurait beaucoup souffert de voir la disgrâce dans laquelle vous êtes tombé. Les gens humbles comme elle et moi entendent mal les cas de conscience des grands. Pour nous, qui ne pouvons pas nous permettre grand-chose, une loi est une loi, n'est-ce pas, Master Mo? Pour tout le monde, Master Rich. Oui, da. Mais si vous excusez ma hardiesse, et me permettez à moi, chétif, ce bavardage familier tandis que je mets vos livres en caisse, supposez qu'il y ait un acte du Parlement qui me fit roi. Supposition tout à fait comique, je vous l'accorde. Me prendriez-vous pour roi, Master Mo? Certainement, Master Rich. Poussons le cas un peu plus loin. Supposez qu'il y ait un acte du Parlement qui voulut que tout le royaume me prît pour pape. Me prendriez-vous pour pape, Master Mo? Pour votre premier cas, Master Rich, le Parlement peut bien se mêler de la condition des princes temporels et même vous choisir vous pour prince. Mais pour répondre à votre second cas, je vous proposerai moi le cas suivant. Supposez que le Parlement fît une loi portant que Dieu ne soit pas Dieu. Diriez-vous, Master Rich, que Dieu n'est pas Dieu? Aucunement, car aucun Parlement ne peut voter une telle loi. Eh bien, le Parlement ne saurait davantage... Faire du roi le chef suprême de l'Église, Master Mo? Monsieur, faites diligence, s'il vous plaît. Ces choses-là sont désagréables, il y a intérêt à ce qu'elles ne durent point. Sur ce seul rapport de Master Rich, Sir Thomas More fut inculpé de haute trahison à l'encontre du statut pour avoir nié que le roi fût le chef suprême de l'Église. Et il fut transféré le 1er juillet 1535 de la Tour à Westminster Hall pour répondre de cette accusation devant les juges de la barre du banc du roi. Son sacrifice fit dès les premiers jours au fond de son cœur. Thomas More mit cependant tout son honneur et son courage à se défendre jusqu'au bout en juriste consommé. Puis, Master Rich, pour prouver que Sir Thomas More était coupable, fut appelé à témoigner devant la cour sous la foi du serment. Il se soumit à cette épreuve sans nulle honte. Alors, Sir Thomas, les bras croisés, renonçant à une inutile et dégradante défense, se réfugia dans le silence. Après une courte délibération, la cour le reconnut coupable de haute trahison et le condamna à avoir la tête tranchée. Comme le Lord Chief Justice lui demandait s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense, Thomas More leur dit simplement « Je n'ai rien à ajouter, my lords, sinon que tout comme le bienheureux apôtre Saint Paul assista et consentit à la mort de Saint Étienne, gardant les habits de ceux qui le lapidaient, de même, j'espère en vérité et je prierai fermement que vos seigneuries, qui avaient été mes juges et m'avaient condamné sur terre, et moi-même, puissions nous rencontrer au ciel pour notre salut éternel. » Les lords écoutèrent ces mots et se retirèrent en silence, les emportant pour leur honte et leur tourment dans le secret de leur cœur. Sir Thomas More fut alors ramené à la tour. Avec un petit morceau de charbon, c'est là qu'il écrivit, au cours d'une des sept nuits où on lui fit attendre la mort, sa dernière lettre à ma femme. « Ma chère Margaret, demain, c'est la fête de la translation des reliques de saint Thomas Becket de Canterbury et l'octave de saint Pierre. C'est pourquoi j'espère m'en aller à Dieu demain. Ce serait un jour bien propice et bien convenable pour moi. Jamais tu ne m'as été plus cher que la dernière fois que tu t'es jeté dans mes bras, devant tout le monde, sur le chemin de la tour.
Il me plaît que l'amour filial et la tendresse se moquent ainsi des convenances mondaines. Adieu, ma chère enfant. Et prie pour moi comme je le ferai pour toi et pour ton mari et vos enfants et pour tous mes autres enfants et les enfants qui leur naîtront et pour tous les amis, afin que nous puissions nous retrouver au ciel, tous enfin réunis dans la joie. Master More, je suis chargé, de la part du roi et de son conseil, de vous avertir que c'est en ce jour du 6 juillet 1535 que vous devez subir le supplice. Sa Majesté le roi vous prie donc de vous préparer à la mort. Master le lieutenant, je vous remercie cordialement de vos bonnes nouvelles. J'ai toujours été grandement obligé envers Sa Majesté pour tous les bienfaits et les honneurs dont elle m'a comblé à maintes occasions. Je lui suis plus obligé encore de m'avoir mis en ce lieu où j'ai eu toute opportunité et loisir de considérer ma fin. Mais Dieu m'aide, je lui suis obligé par-dessus tout de ce qu'il lui plaise me retirer si tôt des misères de ce malheureux monde. Et je ne manquerai pas de prier pour elle tant ici-bas, au sortir de ce siècle mouvementé, que dans le monde à venir. Le bon plaisir du roi est en outre qu'à votre exécution, vous ne prononciez que peu de paroles, Sir Thomas. Vous faites bien de m'avertir, Master le lieutenant. Je me tairai, c'est mieux. Veuillez la rassurer sur ce point. Mais je vous supplie, je n'ose dire en échange, d'intercéder auprès d'elle pour que ma fille Margaret puisse assister à mon enterrement. Le roi a déjà consenti, Sir Thomas, que votre femme, vos enfants et vos amis aient la liberté d'y assister. C'est bien. Je suis obligé à Sa Majesté d'avoir daigné disposer si bénignement de mon enterrement. Sir Thomas, celui qui aura tout cela n'est qu'un manant. Quoi, Master le lieutenant ? Tiendrai-je pour un manant celui qui aujourd'hui me rendra un service aussi rare ? Et en vérité, si ce manteau était de drap d'or, je crois bien qu'il l'aurait mérité, comme ce bourreau qui reçut 30 pièces d'or de Saint-Cyprien. Ce n'est pas convenable, c'est abusif, Sir Thomas. Convenable ? Quel mot étrange ce matin. Mais vous avez raison, Master le lieutenant. Il serait immodeste d'être trop bien habillé pour mourir. Jésus est mort nu. Tiens, tout ce qui me reste, comme ça c'est pris. Et je ne suis pas aussi riche que lui. Rassemble ton courage, mon brave. Mais je te signale que j'ai le cou très court. Prends garde à ne pas frapper à côté, il y va de ton honneur.
Spirit.